Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve une nouvelle fois sur Animal Crossing New Horizon, cette fois pour une visite de vos villageois, et accessoirement des miens en même temps parce que j'ai aussi des choses à vous montrer. Vous les avez pas forcément toujours vues, les intérieurs de maison, donc aujourd'hui on s'y plonge et on file tout de suite découvrir ça ensemble. Et on se retrouve chez Valériane pour la visite d'un habitant, mais je vois pas son nom, il est derrière le fauteuil. Cette surprise, on y va! Oh, c'est joli! Regardez, bureau de ministre, bibliothèque, des livres tout partout. Tu t'appelles comment, toi? Lupio, c'est la première fois que je te vois, tu es une touriste, moi c'est Lupio, bienvenue. T'as bien choisi ta destination, c'est moi qui te le dis. Ce bout de terre est un petit coin de paradis. D'ailleurs, tu ne devrais pas trop perdre ton temps à m'écouter jacasser. Va donc explorer les environs et découvrir la beauté des lieux par toi-même. Bah, je sais, je suis déjà venu, monsieur. Oh, c'est génial sa maison, j'adore. Avec le tableau et tout, les feuilles par terre, au top. On te parle un petit coup, Lupio? Parle-moi d'un truc. Tu sais que je viens d'apprendre sur Valériane, elle aurait un titre pas piqué des hannetons. Sirène des fonds des mers. Rien que ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, je suis pas jaloux. Expelliarmus. Génial. Oh, il porte ton cadeau. Excellent. Bah, magnifique visite. Et bah, une belle, bien belle maison que je suis ravie d'avoir découvert. Et nous voilà chez Mathieu pour la visite de la maison de Valet. Apparemment, elle vaut le détour. Mathieu nous attend à l'intérieur. Et ben, on n'attend pas, on fonce. Oh, que c'est beau! Salut! Oh, le lit ancien, là, il est magnifique! Petit peignoir au mur avec les serviettes. Tout un coin salle de bain. Là, la commode. Le piano noir. C'est magnifique. Petite Valet, viens ici. Oh, bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Laisse-moi deviner. Tu es là en touriste? Sois la bienvenue, je m'appelle Valet. Tu es? Zabou, enchantée. J'espère que tu reviendras me faire un petit coucou lors de ton prochain passage à Crossil. Pour l'instant, Mathieu veut de la musique. Je t'applaudis. Je suis fière. Allez, on repart un coup à Valet avant de partir. Assieds-toi, Zabou. Que puis-je pour toi? On papote. Tu as fait un saut à la boutique Nook. Prévois une petite heure. C'est plutôt grand. On n'a pas la même boutique, je crois. Tu trouveras peut-être des choses que vous n'avez pas sur ton île. Oh, c'est génial. Un super intérieur, effectivement. Le sol est magnifique. Je ne l'avais jamais vu encore. Et l'agencement des meubles avec le petit coin salle de bain, musique, canapé ici, et le lit, c'est topissime. Allez, on applaudit et on se sauve. Et voilà, c'était la visite de l'intérieur de la petite Valet chez Mathieu. Et un grand merci. Et aujourd'hui, Zabou nous présente la maison de Bichoune. Elle n'a pas besoin d'aller très loin. Sur son île aussi, des fois, il y a des maisons qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On rentre. La petite Bichoune dans son décor automnal. Alors, on a déjà fait un décor automnal dans la vidéo précédente, mais ce n'était pas arrangé de la même manière. Et ce n'était pas forcément non plus les mêmes meubles, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de leur montrer. Donc, elle a le petit kit de magie que je lui ai donné. Sa petite musique. Comme lui faire un coucou à cette Bichoune. Ça gazouille Zabou, bienvenue dans ma turne, top. Tu racontes quoi? Tiens, t'as croisé Titou aujourd'hui? Je l'ai vu se balader avec un petit sourire en coin, je me demande bien ce qu'il est en train de mijoter. C'est normal, il travaille dans sa maison. J'adore, en plus le petit mobile là, il est trop chou. Oh, ça va t'amener un automne phénoménal. Avec des champignons partout. Ah bah du coup, on peut laisser Bichoune. Et pauvre Zabou, elle attend sous un torrent d'averse, mais elle a eu sa petite capture de la maison de Bichoune. Et à nouveau chez Valériane, on va découvrir qui habite cette petite maison. Kiki. Alors je n'ai aucune idée de qui est Kiki cette fois. Pas de surprise, c'est pas une surprise justement, c'est pas quelqu'un qui est chez moi.
Oh, la classe! Le piano, la cuisine. Regardez-moi cette pièce. Ah, ben, c'est du luxe ici. Et en plus, Kiki, c'est une fille ou un garçon? On ne s'est jamais rencontrés. Il me ressemble. Il me semble. Je m'appelle Kiki, c'est une fille. Tu t'appelles Zabou? C'est un nom que j'aime beaucoup. Tu seras la bienvenue ici à chacune de tes visites à Avalon, petit glaçon. Elle est trop chaud! J'adore! Dis-moi, Zabou, si on discutait. C'est pas si évident d'utiliser une kitchenette en bois de fer, en fait. J'ai vu un chef se servir d'un appareil similaire l'autre jour. Ça avait l'air si facile, petit glaçon. T'es tellement choupi, toi. Le piano, la table ancienne, le coin kitchenette. Mais c'est une bien belle maison qu'on a là. Oh, bah, Valériane, j'arrive. Et au revoir, Kiki. Oh, j'ai adoré cet intérieur. C'était super joli. Il y a un mélange de goûts, un mélange de différentes collections et ça va super bien ensemble. Cette fois, on est chez Ketchupi. Où il paraît qu'elle nous attend déjà à l'intérieur de la petite maison de Capri, qui est son avant-dernier arrivant. On va pas maintenir le suspense. On rentre. Oh, c'est la collection Mimi. Avec moquette violette, mur violet et la collection Mimi en bleu et mauve. C'est super beau. Regardez-moi ce lit là. Il est trop classique. Hey, Ketchupi, viens se faire dodo avec moi. C'est chouette, hein? Quand même pas là ce pauvre Capri qui se demande ce qui va arriver. C'est toi qui es venu nous rendre visite depuis Nana Juichi? Je le savais, quand je t'ai vu, je me suis dit je la connais pas. J'ai cru que tu étais peut-être une espionne. Bon, c'est par contre pas très varié leur dialogue quand on va visiter les gens. Hein. Mais qu'est-ce que tu viendrais espionner par ici? Et puis après, je me suis souvenu avoir entendu dire qu'on avait de la visite sur l'île. Enfin bref, moi c'est Capri, bienvenue à Arcadia. Amuse-toi bien et pas d'espionnage, hein. Et si je lui fais un petit mimique? Il s'en fiche? Pourquoi tu t'en fiches? Moi, il s'arrête, mais il s'en fiche un peu. Hein. Il a le petit établi qui va bien avec aussi, hein, en bleu et en violet. C'est un établi Mimi. Je l'avais jamais vu encore. C'est peut-être en rose, je sais plus. En tout cas, elle est super jolie, sa maison. Et lui, il est trop trop chou. Sur ce, on dit au revoir à Capri et à Ketchupi qui se fait malmener. Regardez la pauvre. Allez, on sort. Très sympa, cette maison de Capri. Tout dans les tons bleu et violet. C'est mignon comme tout. Moi, je suis très contente de l'avoir vu. On est toujours chez Zabou. Vous l'aurez certainement reconnu. Pourquoi? Parce qu'il fait un temps dégueulasse. Ouais, Zabou en a marre. Et elle va vous montrer la maison de Jamie, l'un de ses derniers arrivants koala. Alors, perso, j'adore cette déco. On va déjà lui parler. C'est bon, détends-toi, t'as réussi, t'es arrivé chez le célèbre Jamie. Parle-moi d'un truc. L'insecto safari aura lieu demain. Qui sera le grand triomphateur de la ville, toi ou moi? Moi, bien sûr. Mais inutile de fatiguer à jouer à filer à l'avance. Seul compte les pépettes capturées le jour même. Que le plus grand virtuose de la capture l'emporte, bonne chance. J'adore ce personnage, il est énorme. Et regardez sa maison. C'est un bureau en fait. Avec le tableau, des cartons. Une horloge, bah les rideaux du coup de bureau, avec double bureau, les petites chaises, on peut pas s'asseoir d'ailleurs, c'est un peu, c'est pas grave. La fontaine à eau et le palmier d'Arek. Moi j'aime beaucoup, ça change. Alors je m'attendais à voir autre chose avec lui parce que je trouvais un petit côté rocker quand il est arrivé. Mais en fait non, notre Jamie, il se cache derrière une maison, trop top, qui change un petit peu de l'ordinaire. Regardez comme il est gêné. Allez, on va le laisser tranquille. Alors, était bien sympa cette petite maison de Jamie. En tout cas, moi je suis ravie de l'avoir fait venir et ravie qu'il ait un extérieur comme ça à nous montrer. Ça change un petit peu. Une fois encore, on se retrouve chez Valériane. Je loupe le panneau, tout va bien. Et on va découvrir la maison de Mokhtar. Mokhtar, il est chez moi aussi. Comme Kolala. Aurait-il le même intérieur?
quasiment. À quelque chose près, c'est le même. C'est vrai qu'il est très sympa à l'intérieur de Mokhtar. Avec la collection jonc en noir, un canapé blanc, une terrasse, je dirais absolument pas, une cheminée blanche et grise. Mokhtar, tu es venu par Morgane. On papote? Alors, tu as remarqué le Monstera? Ça t'embouche un coin de savoir que j'ai la main verte, hein? Et mes pieds, à ton avis, ils sont de quelle couleur? T'as pas un peu un problème, Mokhtar? Sur quel autre sujet souhaiterais-tu que le grand Mokhtar t'éclaire aujourd'hui? Parle-moi d'un truc. Au fait, t'as déjà régalé tes papilles de notre spécialité, le délicieux fruit directement récolté sur notre île? Oui. Ah, bien sûr, quelle question. Tu es une touriste de goût. Ah, il est génial ce colas-là. Non, on change ce petit Mokhtar. Eh ben, merci pour la visite, mon petit gars. Salut. Toujours marrant, en tout cas pour moi, de revoir mes personnages que j'ai sur mon île depuis quasiment le début, de les voir ailleurs. En tout cas, ravie de cette visite du petit Mokhtar. Nous sommes toujours chez Ketchupi. Oui, il paraît qu'à l'intérieur de la maison de Pietro, qui est un drôle de personnage, se trouve quelque chose de fabuleux. Ketchupi est déjà dedans, on entre et on va voir ça ensemble. C'est ça. Regardez-moi ça. Bah, c'est un nouvel établi Mimi, par contre. Tu te pousses, le personnage bizarroïde. Regardez les sièges. Les sièges lune sur le sol nuage. Et le mur nuage, avec deux petits jouets, là. Et là, on a les roues. On peut les tourner ou pas? Ouais, on a gagné. Celle-là, c'est un peu plus difficile de perdre. Avec le jukebox. Bon, bah, c'est pas que. Même si Pietro est pas super magnifique, il faut quand même lui parler. Bienvenue dans la luxueuse villa du grand Pietro. Parle-moi d'un truc. Bienvenue à la première réunion bi-hebdomadaire du fan club de Pietro. Je plaisante, en fait, c'est la troisième ces réunions. Eh non, mais tu peux pas avoir de fan club. C'est là que c'est drôle. Parce que tu fais un petit peu peur, quand même. Elle est chelou, ce perso. Mais il a une maison magnifique. À mon avis, c'est pour ça que pour l'instant, il reste chez Ketchupi, qui a bien raison d'en profiter. Et bon, du coup, on va pas rester sur le petit nuage, on sort. Bien belle maison pour un personnage tout aussi étrange que Pietro. Mais on est ravis de l'avoir vu. Et voilà, c'est déjà fini. Il y a des maisons, franchement, elles sont juste magnifiques. Je comprends pas que certains villageois aient des maisons classiques, que d'autres aient des choses beaucoup plus jolies. Après, c'est sûr que c'est intéressant d'aller en chercher, de voir ce qui se passe, de garder les meilleurs, d'échanger peut-être, de se renseigner avant, je sais pas. En tout cas, si vous voulez faire partie de l'aventure, et moi je vous encourage à le faire, parce que c'est super sympa, je trouve, d'aller chez les gens pour visiter leurs villageois, pour voir un petit peu, et ça permet peut-être aussi aux gens de découvrir un petit peu ce qui existe. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, il est disponible, le lien en description de cette vidéo. Vous nous rejoignez, on organise ça, ça prend 2 minutes par maison, ça va super vite, et après on a le bonheur de partager tout ça ensemble dans une petite vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette nouvelle vidéo dédiée à vos villageois, et n'oubliez pas de nous rejoindre si vous voulez faire partie de l'aventure, de me laisser plein de petits pouces bleus, et je vous dis donc à très bientôt, et amusez-vous bien.